Français, Françaises, j'appelle tous les corps de métier à rejoindre le mouvement. Les exploitants agricoles exploités, les boulangers qui sont dans le pétrin, les caissières pas payées cher, les femmes de ménage de tout âge, les bouchers et les charcutiers, les chauffeurs poids lourds et poids plumes, les chauffeurs VTT et VTC, les Uber et les autres, les motards et les chauffeurs de car, tous les personnels soignants qui méritent tant, les gars du BTP, les étudiants en CAP et en BEP, les mémés et les pépés, les fleuristes parce qu'eux ils vous font pas de fleurs, les ouvriers désœuvrés, les artisans et les artistes, les intermittents, les intérimaires, les bibliothécaires et ceux qui livrent, les coiffeurs et les esthéticiennes, les électriciens et les plombiers, les auto-entrepreneurs et leurs petites entreprises qui se meurent, les forces de l'ordre, forcés d'obéir, mais aussi les chômeurs qui chôment pas, les pratiquants et les athées, la SNCF et les PTT. Ah bon, ça existe plus ça? Les blacks, les blancs, les beurs, les jaunes, les verts, les rouges, les bleus, bref, les Power Rangers aussi. Les gars, les filles, les non-genrés, les dégénérés, les homosexuels, les homo sapiens, les concitoyens et les cons de citoyens. Bref, tous les Français. Arrêtons de faire la guéguerre à chaque fois, chacun de notre côté. Unissons-nous, combattons ensemble. Parce que c'est tous les Français qui sont pris pour des tanches. Alors du coup, les amis, je crois que c'est le moment de le ressortir. Le gilet jaune. De toute façon, il est en train de moisir au fond du C15. Alors au moins, là, il va servir à quelque chose. Voilà, les amis. Et puis, comme le disait Coluche, tous ensemble pour le foutre au...